Vidéo. Alors il y avait ce document super intéressant euh, que je n'avais pas vu avant qui vient d'être publié par euh, Bruno Gassiot là sur, euh, sur Twitter. Vous le voyez, il a, il a été publié ici. Euh, donc euh, le revenu de base, ça a été, ça a été euh, envoyé par euh, le réseau salariat en réponse à Usul, je vois. Donc, Usul qui dit, en parlant du revenu, de, de, du revenu universel en Espagne, quand on vous disait que ça, allait être la, que ça allait être ça, la béquille du capitalisme, nous y voilà. Et donc, Réseau Salariat a répondu à ce message d'Usul en disant Le revenu de base sauvera le capitalisme tout comme le compromis fordiste sur les salaires l'a fait en son temps, ou l'État-providence dans les pays libéraux nordiques. Rappel de l'opposition frontale entre revenu de survie et salaire attaché à la personne jusqu'à la mort. Alors on va lire ça, c'est très très intéressant, très très bien, un très bon résumé. Euh, voilà, je vous le mets en grand, vous l'avez là, donc euh, ça m'a l'air tout à fait parfait. Donc on va le lire ensemble. Donc euh, quelles sont les différences entre un revenu de base et un salaire à vie Donc les principes. Le revenu de base, c'est un revenu versé sans condition à toute personne majeure. Le salaire à vie, c'est un salaire versé sans condition à toute personne majeure. Le montant du revenu de base pourrait être entre 400 et 1500 500 euros. 1 500, c'est vraiment les propositions les plus élevées en général. On est plutôt entre 800 et 1 000 euros. Hein, est... Bon, Benoît Hamon, il avait proposé 400, donc on va dire entre 400 et 1000 000 euros. Euh, c'est rare d'entendre de, des propositions sérieuses entre guillemets, c'est-à-dire qui ont des chances d'être adoptées, euh, qui vont au-delà des 1000 000 euros ou des 1200 euros. Donc là, ils nous disent le montant pourrait être entre 400 et 1500 euros. Pour ce qui est du salaire à vie, ce serait entre 1500 euros et 6000 euros. Donc déjà, c'est plus intéressant. Ce n'est pas juste un revenu de survie ou un revenu décent. Euh, c'est un vrai salaire. C'est euh, quelque chose qui permet de vivre dignement, de, de vivre bien, euh, d'avoir euh, vraiment accès euh, à, à tout ce dont on a besoin, pas juste pour la survie, mais aussi euh, pour... Euh, pour la vie tout simplement donc euh, c'est vrai que c'est une différence quand même quand même importante et il faut le il faut le préciser le fondement de la rémunération pour le revenu de base c'est le droit à l'existence ou le droit d'accès aux biens et aux services essentiels moi encore une fois c'est pas quelque chose avec lequel contre lequel je suis hein. le droit à l'existence ou le droit d'accès aux biens et aux services essentiels, ça me paraît être même hallucinant que ça n'existe pas déjà, que ce soit pas déjà le cas dans le même dans un système libéral, même dans un système capitaliste, qu'on n'ait pas ce, cet accès à, aux biens et services essentiels, c'est hallucinant. Mais le salaire à vie va encore plus loin, et c'est pour ça que je, il a ma préférence à titre personnel, et je pense que c'est le cas évidemment aussi de Usul qui a fait une très belle vidéo sur Bernard Friot il y a quelques années maintenant. Si vous la connaissez pas, je vous invite. Vraiment vraiment à aller la, la regarder cette vidéo donc euh, sur, euh, sur le travail de, de Bernard Friot sur la chaîne Usul 2000. Donc le fondement de la rémunération euh, du, du salaire à vie, c'est la reconnaissance du statut de producteur ou productrice, d'acteur ou d'actrice économique. Donc c'est pas exactement la même chose, c'est pas on vous reconnaît le droit à la gamelle, c'est on vous reconnaît en tant qu'une qu personne. Qui produit une personne qui est un acteur économique au sens plein. Donc, en ce sens, vous avez droit, sans condition, à un salaire. Et ça, c'est quand, quand même déjà, déjà mieux. Euh, qui décide Donc, dans le revenu de base, c'est le gouvernement, hein, dans la majorité des propositions, qui décide du montant et du financement. Donc, vous imaginez bien que euh, quand c'est le gouvernement qui décide, c'est rarement dans notre intérêt collectif. Hein. C'est pour, euh, euh, pour ça que c'est... Pour ça que euh, c'est quand même pas idéal du tout, euh, le revenu universel, puisque en fait, on deviendrait quelque part... Euh, Prisonnier des décisions gouvernementales, c'est-à-dire imaginons que demain euh, on ait un revenu universel à 800 euros, donc, qui nous permet à peine de vivre, à peine de payer notre loyer, qui nous donne accès voilà aux biens et services essentiels, euh, et que le gouvernement décide ah ben, en fait ça coûte trop cher donc maintenant ce sera plus 800 ce sera 600. Bah en fait, tous les gens qui dépendaient de ce revenu pour vivre bah, se retrouvent vraiment dans la merde. C'est déjà le cas aujourd'hui. Quand vous, vous faites couper le RSA, il y a des gens, ils ont zéro quand on leur coupe le RSA. Donc, c'est absolument scandaleux euh, qu'effectivement, sur des critères un peu aléatoires, parce que la CAF, euh, voilà, je sais pas, leur gueule vous revient pas ou je ne sais pas quoi, euh, eh bien ils vous, euh, ils vous enlèvent le, le RSA, ils vous enlèvent en fait de, de quoi vivre. C'est quand, quand même absolument scandaleux et pourtant, c'est bien euh, ce qui existe à l'heure actuelle. Euh, malheureusement, dans le, dans le cadre de, de ce revenu universel. Donc, qui décide par contre dans le cadre du salaire à vie Eh bien, ce sont les représentants au sein des caisses de salaire et d'investissement par autogestion, comme la Sécurité sociale. Entre 47 et 67. Oui, puisqu'il faut, il faut bien le rappeler et le dire. Euh, le régime de Bernard Friot, enfin les propositions de Bernard Friot, elles s'inscrivent dans un régime qui est déjà existant. Euh, on n'a pas besoin d'inventer euh, mille nouvelles choses. Euh, c'est en fait des choses qui existaient déjà depuis longtemps, euh, qu'on voyait déjà euh, dans euh, dans le, le cadre notamment de la sécurité sociale de 47 et 67, dans le, la lignée du Conseil national de la résistance. Donc, c'est effectivement euh, basé sur l'existant, basé sur le réel. Hein. Ce n'est pas euh, quelque chose qui tombe comme ça euh, du ciel. Donc les compléments de revenus. Donc les compléments de revenus, euh, dans le cadre du revenu, de, du revenu de base, on pourrait avoir un salaire, on pourrait avoir des prestations sociales, des profits financiers, rente actionnariale, rente euh, immobilière ou autre. Euh, dans le salaire à vie, il n'y a pas de complément de revenu. Voilà, votre salaire, vous le percevez sans condition et c'est tout. Il n'y a pas euh, ensuite euh, autre chose. Hein. C'est euh, vous touchez 1500 euros, vous touchez 1500 euros et euh, si, si vous avez si vous vous êtes euh, si vous avez acquis euh, de nouvelles compétences, ben votre salaire augmente comme c'est le cas euh, dans la fonction publique par exemple. Et effectivement, vous n'avez pas besoin de complément de revenu. Si vous touchez 1500 euros à 18 ans. Vous les toucherez toujours au minimum euh, à 60, à 70, à 80, au minimum. Après, si vous évoluez euh, dans l'échelle, ben vous pourrez toucher plus. Donc le mode de financement du revenu de base, l'impôt ou la création monétaire, ou économie sur les prestations existantes ou cotisations. Bon, c'est assez clair. Euh, pour ce qui est du mode de financement du salaire à vie, et c'est là que ça emmerde effectivement les capitalistes et les libéraux, euh, c'est que c'est une part de la richesse produite par les travailleurs et travailleuses qui est affectée au salaire à vie par une cotisation sur la valeur ajoutée. Donc effectivement, les capitalistes n'ont pas trop envie de ça. La valeur ajoutée, ils ont plutôt envie de se la mettre dans la poche. Euh, là, on se la met dans la poche collectivement, et c'est avec ça qu'on paye le salaire à vie. Donc c'est aussi une différence majeure. Donc quels sont les types de droits de propriété autorisé dans le cadre d'un régime où il y aurait un revenu universel. Donc comme, euh, comme aujourd'hui, hein, maintien de la propriété lucrative, droit actionnarial de tirer un revenu du travail des autres, droit bancaire de s'enrichir sur le crédit, le droit rentier lié à la détention d'un bien produit par d'autres. Donc ça c'est exactement ce qui existe à l'heure actuelle. Vous avez un appartement, vous le louez, vous êtes propriétaire d'une usine, euh, vous touchez euh, la plus-value euh, générée par vos employés. Donc c'est ce qui existe actuellement, effectivement. C'est pour ça que... Euh, les libéraux sont prêts à nous donner euh, une, une petite part euh, de, de la production, une petite part on dit bien, toute petite part, pour pouvoir nous vendre leur camelot euh, et, et s'enrichir par ce biais. Quand on parle de salaire à vie, c'est ça qui est très très important et c'est ça qui est fondamental dans l'idée de, de salaire à vie, euh, d'après moi. Enfin il y a beaucoup d'éléments là que j'énumère, mais celui-là il est vraiment particulièrement important parce que il va au delà en fait de nous donner euh, les moyens de vivre de se nourrir de se loger etc. il, il nous libère en fait d'une euh, prison économique dans laquelle on est malheureusement la prison du loyer par exemple la prison euh, de la propriété lucrative donc suppression du droit de propriété lucrative et des actionnaires puis institution du droit inconditionnel à la copropriété d'usage de son logement, de ses outils de travail et de son lieu de travail. Donc euh, effectivement, là, on est beaucoup plus proche euh, du marxisme, hein, euh, évidemment. Euh, on n'est pas dans une vision euh, libérale, une vision capitalistique euh, de la production euh, de, de valeur. On est dans une autre logique. Et c'est bien en ça qu'il y a une différence majeure euh, entre le, le revenu euh, universel et le salaire à vie. C'est très important de, de, de le dire et de le préciser. Donc la nature des productions dans le cadre du, du revenu de base, revenu universel, absence de maîtrise collective de la production dans le cadre du salaire à vie, les producteurs et productrices maîtrisent la production via les caisses d'investissement de leurs salaires qui décideront où investir, investir dans l'agriculture biologique, continuer le nucléaire, etc., etc. Donc là aussi, différence majeure. La progression possible de la rémunération. Donc, dans le cas d'un revenu de base, aucune progression n'est prévue ou anticipée. Au contraire, comme je l'expliquais avant, c'est même peut-être une réduction de nos revenus qui pourrait, euh, qui pourrait arriver si on établissait ce revenu de base. Puisqu'on pourrait dire finalement, comme ça a été le cas en Finlande, bah, ça coûte trop cher, on n'a plus les moyens. Euh, en fait, on vous donnait 600 euros, maintenant on va vous donner plus que 500 parce que ça coûte trop cher, etc. Euh, et puis les les... les les employeurs pourraient dire bon bah comme vous touchez déjà 600 balles de revenu universel bon bah, on va moins vous payer en salaire C ça paraît logique donc voilà vous acceptez une baisse de salaire ce qui est absolument euh, absolument scandaleux donc par contre dans le salaire à vie il y a une progression du salaire à vie selon des critères décidés par des jurys de qualification élu ou tiré au sort ça ça reste une quelque chose à déterminer collectivement démocratiquement quelque chose qu'il faudra qu'on détermine entre nous euh, dans le cadre de l'instauration de, de ce salaire à vie donc ça aussi c'est très important et c'est ce que Bernard Friot avait dit dans une interview que j'ai réalisée avec lui il y a des années maintenant c'était en 2013 il disait ça euh, voilà je ne veux pas vous imposer en fait euh, les critères ils seront décidés euh, par des jurys de qualification donc soit élus, soit tirés au sort on va décider démocratiquement euh, de ça euh, et c'est ça qui est très important c'est cette décision démocratique euh, elle n'est pas imposée euh, dans le, le package on va dire du salaire à vie c'est quelque chose qui sera décidé démocratiquement par nous tous et c'est très très important, euh, ça aussi, de le préciser. Donc euh, les nouveaux droits constitutionnels, inconditionnels et universels, donc euh, dans le cadre du revenu de base, ben, c'est juste le revenu de base, voilà, il euh, n'y a, a rien d'autre. Et euh, dans le cas du salaire à vie, donc on aurait un nouveau droit qui serait le salaire à vie, mais également la propriété d'usage de son lieu de travail et de ses outils de travail. La participation à la gestion des caisses et au jury de qualification, donc éligibilité, droit de vote, de révocation, et on pourrait le dire aussi, abolition de la propriété lucrative. Abolition de la propriété lucrative, ce qui est quand même euh, extrêmement important euh, et, et ce qui est fondamentalement euh, une, enfin, une des différences fondamentales entre le revenu de base et le salaire à vie. Donc, euh, bon, voilà, en cliquant sur le, sur le Twitter de Bruno Gassio, je ne savais pas que. J'allais tomber sur ce tableau que je n'avais pas vu, mais je trouve que c'est super et ça permet de faire bien les distinctions entre euh, l'idée de revenu universel et l'idée de salaire à vie. Après, je reviens sur ce que je, je disais juste avant. À titre personnel, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort, je pense quand même que par rapport à la situation actuelle, si on peut euh, gratter un, salaire, un, un revenu universel temporairement avant d'avoir le salaire à vie, c'est déjà quelque chose à prendre, puisqu'il y a des gens, ça va les sortir de la misère. Donc euh, si ça peut aider euh, des gens à sortir de la misère avec euh, 1200 euros, 1300 euros par mois euh, qui tombent de manière inconditionnelle, même si c'est loin d'être parfait et qu'évidemment, évid je préfère le salaire à vie de loin. Je ne pense pas non plus qu'il faille se battre contre le revenu universel. C'est un pied dans la porte. Il faut le voir comme un pied dans la porte. C'est quelque chose qui nous permettra ensuite euh, de mettre dans la tête de, des gens, puisque c'est quand même déjà une étape euh, difficile, hein, pour en avoir parlé avec des centaines de gens euh, à travers les, les années euh, depuis le temps que je, je parle de ces questions. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas la notion de donner un revenu de manière inconditionnelle. C'est quelque chose qu'ils disent, mais pourquoi Vous n'avez qu'à travailler, vous avez qu'à vous bouger le cul, etc. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas la logique. Donc ça permettrait de faire rentrer dans la tête des gens que oui, donner un revenu de manière inconditionnelle, c'est déjà quelque chose de d'évident. Et une fois qu'on en sera là, ce sera beaucoup plus simple, à mon avis, de faire avancer l'idée de salaire à vie. Donc peut-être que... C'est un peu joué petit, je ne sais pas, mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose, euh, chose d'important. Voilà, donc euh, bon, en tout cas, c'est mon avis. Et évidemment, je suis 100% pour le salaire à vie, mais je suis aussi pour une forme de revenu universel, si ça peut nous aider, surtout euh, dans la, la situation dans laquelle on est actuellement. Donc effectivement, voilà, un, un premier pied euh, dans la porte, ça permettrait euh, en tout cas d'avoir... Euh, d'avoir déjà ça euh, déjà ça de fait. Alors Saïd Ali, j'allumais ton micro, je ne sais pas si tu veux participer, si tu veux discuter avec nous, si tu nous entends.